Pascal Ounet, tu es le first, tu es le premier. Salut Arnaud, salut Pascal, salut Pegasus Lolo. Comment ça? Ah, Pegasus, tu as le syndrome Michael, c'est-à-dire que bah, on ne voit pas ton commentaire. Pascal, ouais. Ah si, attends, si, mais qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Non, c'est parce que tu as donné le nombre. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors, on est le 1er février, il fait toujours aussi froid, j'en peux plus de cette ville. Mais bon, c'est rien, il paraît que ça va passer. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut que tu. Tiens, attends, il faut que je mette. Bon. Si quelqu'un m'appelle en Skype, j'ai le casque qui est là. Donc, tout va bien. 11 287, ouais, ça monte tout doucement, hein, tranquille, tranquillement. Hein. Comme je le dis, je te rappelle, n'hésite pas à inviter tes collègues. Hein. Il y a le lien qui te permet de les inviter. J'espère que le son c'est bon. Là, j'ai touché un petit peu la table de mixage. 1, 2. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ça avance tranquillement. Bon, Pascal, quand est-ce qu'on se fait cette matinale à Guyancourt? Voilà quoi, parce que ça va bien, il fait froid, mais il faut qu'on conjure le sort. Donc hier après-midi, enfin hier dans la journée, je suis passé à la Défense. Je pensais tranquillement me boire un petit café avec Cécile. Mais bon, Cécile était à Gardenne, voilà, on ne s'est pas croisé. Et j'ai pas osé déranger les autres collègues. Bon, désormais, je vais le faire. Purée, c'est chaud en ce moment avec la neige. Ah, c'est vrai. Ici à Paname, il n'y a pas de tas de neige pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la misère, quoi. Priorité au télétravail, hein, comme dirait l'autre. Alors ici, j'ai cette caméra qui peut changer, là, voilà. Et celle-là, elle a un éclairage. Ouais, j'ai mis le fameux. Tiens, je me lève un petit peu pour que tu vois. C'est le fameux t-shirt, là, qu'on reçoit tous en ce moment. Merci de me dire si tu l'as reçu. Hein. Comme ça, on va un petit peu voir. A priori, ce serait Orange France qui reçoit le t-shirt. Vas-y. Salut Seb, c'est bien. Comment tu vas? Seb, tu pourrais faire une chose parce que je n'ai pas pu hier taguer tous les collègues qui étaient sur tu sais, le petit bêtisier. Enfin, c'est pas un bêtisier. Tous les remerciements qu'il y a pour SR hier à la fin de la matinale. Donc, si tu pouvais aller sur la matinale d'hier, taguer les collègues qui passent, qui ont dit merci et tout. En fait, je fais des selfies, je fais des interviews, j'oublie de demander les noms. Tiens, ben, elle est là, Cécile. Voilà. Donc, je parlais de toi à l'instant, Cécile, comme quoi j'étais venu hier et que, ben voilà quoi. Tu m'avais zappé, complètement zappé. Non, mais c'est pas grave. La prochaine fois, je m'y prendrai à l'avance, quoi. Je prendrai audience, comme on dit chez nous. Bon, alors, comme d'habitude, tous les matins, plusieurs possibilités pour toi. D'abord, m'envoyer une photo en MP, hein, où que tu sois, au pôle Nord, au pôle Sud, en vacances. Devant ta piscine, en selfie ou directement devant tes collègues sur le plateau, etc. Tu leur demandes quand même. Et tu m'envoies la photo et immédiatement, moi, tu sais, comme, voilà, il ne faut pas me la raconter deux fois, tac, direct, ça passe en ligne. Voilà, la photo d'aujourd'hui, ben voilà. Mon Pascal qui continue son noir et blanc. Tout va bien, mon Pascal Ounet. Si ça continue, tu vas ouvrir comment dirais-je, une galerie, qu'on dirais-je. Souvenir du road trip des agrumes, et d'ailleurs, tu vas savoir que hier j'en ai parlé du road trip, puisque je suis en train de réfléchir au road trip de Corse qu'on s'était promis de faire, qu'on s'est promis de faire. Et donc, ben voilà, il va falloir qu'on remette ça en place. Je commence déjà à goupiller des choses dans ma tête. Donc voilà, ça c'est la première photo qui m'est arrivée. Enfin, non, elle est arrivée, non, c'est celle que tu as diffusée. Voilà, alors que je salue Rémi qui nous a rejoint, Xavier qui est là, Gilles de Rivoire. Ah bah tiens, road trip, Gilles de Rivoire, on est dans le même truc. Hein. On est vraiment dans le même truc. Alors je vais regarder dans les MP, bah tiens, aïe 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 aïe. Ça mon gars, c'est du lourd. C'est une photo de Laurence. Laurence nous envoie ça. Alors si j'ai bien compris, hier elle disait qu'elle était en Slovénie. Enfin, c'est dans un pays, tu vois, là où on tourne les contes de Dracula, c'est le genre de pays. Et voilà la photo de la piscine dans laquelle elle va bosser. Oui, c'est en Slovénie, là, tu vois, comme quoi j'ai un petit peu de mémoire et tout. Salut Stéphane, comment tu vas? Donc voilà la photo de la piscine dans laquelle elle va nager tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si tu vois, hein, mais il y a de la neige, mon ami. Hein? Voilà. Mais bon, Laurence, c'est une warrior. Franchement, moi je dis bravo Laurence. Et puis bah, tiens-nous au courant des résultats, quoi, hein, qu'on puisse être au courant de ce que tu fais. À ton café, hein, Cécile, on est ensemble. Donc je t'ai dit les photos
En MP, tu peux m'appeler sur Skype. Le Skype est ouvert. Christophe Henry sur le Skype grand public. Et tu pourras tout à l'heure, dans la fin de matinale, m'appeler sur mon numéro de téléphone, sur mon précieux. Ah, d'accord, attends. Ah, bah tiens, comment tu as fait? Ah, bah oui, il y a Cécile qui m'envoie une photo. Ouais, elle a pas tout pigé. Et Cécile, tu m'envoies une photo en SMS. Alors, c'est pas. J'ai pas encore testé l'envoi de photos en SMS. Alors, c'est quelle caméra? C'est celle-là. Voilà, tu m'envoies un petit, comment dirais-je, un plateau avec le café. Ah oui, mais t'es à Stadium. Ah, j'ai reconnu. Ah oui, c'est vrai. Ben, super. Si je veux m'entraîner, tu m'offres ta Rebelle. Ben, figure-toi que j'avais prévu acheter une moto. Et puis, je suis revenu un petit peu. Enfin, c'est pas que je suis revenu, j'ai pas de sous. Ah, le gars, il cherche les raisons. Bon, alors, tu comprends, j'ai pensé m'acheter une moto pour faire le road trip. Et puis, finalement, non, j'ai pas de sous, c'est tout. Bon, mais c'est vrai que effectivement, on pourrait faire ça. Gilles, si tu m'offres ta Rebelle, on va reconsidérer la chose. Bon, ça, c'est les choses. Donc, je t'ai expliqué les trois possibilités que tu as aujourd'hui. Le MP pour les photos, MP par Messenger. Hein, Cécile? Bon café à Stadium. Tu m'aurais dit que tu allais à Stadium, mais ben, ce matin, je serais venu à Stadium. Hein. Parce qu'en ce moment, c'est pas que j'ai l'embarras du choix, c'est que personne ne m'invite. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a la neige, le froid, on n'est pas tout à fait dans un truc, mais bon, voilà quoi. Moi, j'aimerais bien aller faire des tours, voir les agrumes où ils sont. Pegasus qui m'envoie une photo. Allez, attention. Ah, d'accord. Donc, Pegasus, le truc, tu vois, de ta photo, comment je peux faire pour qu'elle paraisse droite? Ben, je sais pas. Ben, écoute, hein, on va dire, c'est toi qui l'as envoyé, et eh ben, c'est toi qui prends. Il n'y a rien à faire, hein. Je ne peux pas la faire paraître droite. Il faudrait que je l'enregistre. Enfin, merci. Cette petite cafetière. Ah, ben, on a la même. On a la même, mon Pegasus. Elle est bien propre, la tienne. Hein? Ah, ouais, on a la même. Super. Donc, merci. C'est invitation au café. Super. Ça fait plaisir, comme ça, d'avoir des morceaux de vie. Salut à. Qui est là? Véronique Valette. Eh bien, écoute, Véronique, bienvenue ici. C'est la matinale des agrumes. Je ne t'ai jamais vu avant. Donc, permets-moi de t'expliquer un petit peu en deux temps, trois mouvements, cette petite virgule vidéo, ce petit encart pendant lequel, eh ben, d'abord, on souhaite les anniversaires des agrumes, nos amis, hein? Et puis, on parle tout et de rien. Voilà. Donc, je répète encore une fois, le voici, le voilà, ce fameux t-shirt. Si je passe sur l'autre caméra, c'est mieux. Le voici, le voilà, le fameux t-shirt. Non, c'était pas mieux. Voilà. Orange, réseau mobile numéro 1. Alors, le t-shirt, normalement, a été envoyé, d'après ce que j'ai lu hier, aux 55 000 salariés d'Orange France. C'est une initiative d'Orange France. Et donc, si tu fais partie d'Orange France, tu vas le recevoir. Alors, tu le reçois dans une belle enveloppe avec ça, le mag. Hein, d'ailleurs, moi, je lis toujours le mag. Tu sais quoi? Avec le mag, je lis, comme les gosses, je regarde les images et les noms des personnes pour voir s'il y a des agrumes. Voilà. Et après, je dis quand même, Christophe, ils se sont embêtés à faire ça. Est-ce qu'on pourrait pas lire l'article? Donc, des fois, de temps en temps, je lis l'article. Salut Mimi Adam, qui nous a rejoint. J'ai vu qu'il y avait aussi. Oui, Stéphane, j'ai vu qu'il y avait Stéphane. Attention, il existe un format PDF. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de demander aux gens, aux agrumes, enfin aux gens, dis donc, tu préfères l'avoir en format PDF ou en format comme ça? Parce que, bah, c'est du papier, c'est du pognon quand même. Oh. Hein? Enfin bon, affaire à suivre, on verra. Tiens, tu sais ce que je vais faire? Comme j'ai toujours rêvé d'avoir un petit truc derrière moi, donc je le mets ici. Voilà. Bouge pas, toi. Tiens. Ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné que ça tienne. Alors attends, si je fais ça, tu le vois? Ouais, tu le vois pas. Bon, maintenant. Hop, on va essayer. Non, c'est parce qu'il est un petit peu tordu. Excuse-moi, hein? Excuse-moi. Allez, on attaque les anniversaires. Aujourd'hui, il y a une sacrée palanquée de gens dont c'est l'anniversaire. Oh là là, c'est la misère. Voilà, les anniversaires, on y va. Et hé, le voici, le voilà, le beau Stéphane. Ah, Stéphane, c'est quand même particulier. C'est un ami proche à moi, très très proche. Je ne sais pas où tu es, Stéphane, mais là, je ne peux pas m'empêcher de t'appeler. En plus, franchement, ce matin, enfin ce matin, oui, ce matin, je t'ai eu. Donc je t'appelle, je t'appelle. Non, non, il faut que je te souhaite anniversaire. Fredouille la douille aussi, c'est un ami très proche. Aïe, aïe, joyeux anniversaire, mon pote! Ça va, Alors? Non, non, faut que je t'appelle. Ah, oh, punaise, ah oui, d'accord. Ah, d'accord, Alors. tu as le. Oui, j'ai compris. Voilà. T'es en décalage. Mais oui, il y a tellement de décalage qu'il ne savait pas que j'allais l'appeler.
puisque la vidéo lui dit, je vais t'appeler que 15 secondes après. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, Bon. une année de plus. Ben oui, ben oui. Ben, je pense que maintenant tu vas être sage, tu vas faire des choses intéressantes et puis voilà quoi. Non, mais dans ces cas, ouais, mais dans ces cas-là, tu aurais dû dire, ben, tu sais, non, je n'étais pas sage, quoi. J'étais bien, mais ça va continuer. Bon, en tout cas, je te souhaite plein, plein de bonnes choses. Bon, ben, j'attends ton appel, que tu me dises quand est-ce qu'on se voit, qu'on mange ensemble, voilà, quoi. Bon. Allez, gros, gros bisous, et puis. Et joyeux anniversaire bah, à tous mes jumeaux du 1er février, Voilà, jumeaux et jumelles. jumeaux et jumelles. Voilà. Allez, Voilà. bisous, à bientôt. Bonjour à la À famille. bientôt, Bye bye. merci, bye. Ah voilà, je ne pouvais pas manquer celle-là. Donc joyeux anniversaire à Stéphane, hein, que tu viens d'avoir. Joyeux anniversaire à Fredouille-la-Douille. Et tu sais que Fredouille-la-Douille, on s'est connus à Paris, enfin on s'est rencontrés à Paris dans le sud. Je ne sais plus très bien le bled, il était dans une boutique. On s'est revus à La Réunion et il est à nouveau en France. Enfin, je ne sais pas s'il est à Paris. Joyeux anniversaire à Camille Deltombe. Joyeux anniversaire à Pascal Sgalou. À Christian Di Blasi. À Dylan Yien. À G. Rem, enfin une photo avec un âne, bravo. À Dédé Lapèche, à Patrick Tarade. Patrick Tarade, j'ai eu peur. Je crois que c'est ses enfants. J'ai vu une fille, un garçon très jeune, et je voyais 51 ans. À Mathieu Robert, à Valérie Tess, à Abikedia by Orange, à Aurélie Prono, à Pascal Afflard, à Nadia Mrabi, à Mimi Adam, qui est là-dedans? Mimi Adam, joyeux anniversaire à toi! À Julien Beignet et à Mohamed Silla. Voilà, ça c'est les anniversaires du premier groupe. Oui, parce qu'il y a des groupes, hein, je t'explique, c'est compliqué. Hop, je descends dans le deuxième. Voilà. J'aime bien ce petit moment du matin où tu vois, si je veux, voilà, je vois. Et si je vais doucement, je t'explique. C'est parce qu'en fait, je regarde un petit peu le nom, j'essaie de réfléchir si j'ai rencontré les personnes. Voilà, joyeux anniversaire à Ahmed Krix, à Noémie Nara. À Thierry Blacher Pro. Tu vois, des fois on met un pro à côté de son compte, c'est pour dire que ben voilà, c'est le compte spécialisé pro, quoi, voilà. À Sanou SSC, à Mohamed Sim et à Aline Lefebvre. Ça c'est la fin du deuxième groupe. Et je vais faire un tour sur le troisième groupe. Ah oui, je sais, troisième groupe. Oui, non, mais tu sais, je t'explique, hein, c'est 5000 personnes par compte. Voilà, fais ton décompte, fais ton décompte. Voilà. En fait, j'ai 7 comptes, donc il faut aller voir à chaque fois. Avant, je m'embêtais à faire. Voilà. Et le dernier, c'est mon ami Blaise Kenyenoussi, à qui je souhaite un excellent anniversaire. Voilà, à toutes et tous, on va dire joyeux anniversaire. Si quelqu'un était rentré dans le Skype, il aurait chanté joyeux anniversaire avec moi. C'est quoi cette histoire de stream quality? Because the internet co connection was not fast enough. Je vois des. C'est quoi ce désordre? En fait. Ouah, je sais pas comment toi. Oh là là, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas comment tu as la qualité, mais en fait, je ne suis pas connecté sur la fibre là. Je suis connecté sur un partage de connexion 4G. Franchement, là, tu vois, tout sauf ça. Tout sauf ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est souvent la misère. Ok, j'ai reçu d'autres notifications Messenger. Ça veut dire qu'il y a sûrement une photo qui est en attente ici. C'est ma petite Leïla. Comment vas-tu, ma petite Leïla? Qui nous envoie, elle aussi, eh ben je te le donne en mille, sa cafetière. Est-ce qu'elle remarche la cafetière? Parce que cette cafetière que je connais bien, qui est là-bas du côté de Bagnolet, elle marche quand elle veut. Tu vois le sans contact qu'il y a sur la gauche là? Hein? Ça là, jamais ça marche. Non, non, mais je le dis, je le dis. Alors, monsieur, c'est qui ça? Un espresso? Viens. Ah non, c'est pas un espresso, c'est eux là. Comment c'est ça? Selecta, viens te t'arranger avec ta machine. Salut mon ami Boubou! Pegasus, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ah ben, merci Pegasus. Pegasus, voilà. C'est, voilà. Ah, ouh, dis donc, hey, c'est moderne là-bas, chez vous. Il y a de quoi faire. Deux machines à café. La machine qui ne marche jamais. J'avais vu ça. Ok. Donc on a fait les anniversaires et puis en plus des anniversaires, bien entendu, il y a la fête. Aujourd'hui, c'est la fête de Ella, Ella, Ella. Je crois que c'est la fête aussi des Régines. J'ai cru voir ça ce matin, mais je m'en souviens plus. Franchement, je suis épaté qu'en allumant le Mac, il se soit connecté en partage de connexion. Hein? Déjà, le partage de connexion, il faut toujours aller dire oui, non. Et là, il s'est connecté sans rien demander. Salut mon ami Bubu, comment tu vas? Un de ces quatre. Salut Nicolas Go.
Nicole qui est là. Ah bah Nicole, ça faisait longtemps, je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu faisais, Nicole? Allons, voyons, allons, vas-y, 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 raconte, 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 raconte. Sinon, à part ça, j'ai aucune news à te dire. À part l'histoire du. Ah si, j'ai aussi à te dire que j'ai envie d'organiser une petite, un petit déplacement au musée des télécoms à Soisy. Enfin, c'est pas le musée des télécoms, ben, c'est un endroit où on a beaucoup de trucs. Ça fait musée, pour moi, c'est le musée. Donc, je vais me renseigner avec notre ami Patrice, hein, Baptiston. Et si il y a quelques agrumes qui veulent se joindre à moi, je donnerai la date. Et on ira visiter ce musée que j'ai déjà vu plusieurs fois. Mais là, ce coup-ci, je vais lui demander si je peux filmer. C'est-à-dire que, ben voilà, on ira regarder les trucs. Si on peut se faire une matinale en faisant le parcours, ça serait l'idéal. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, ceux qui sont intéressés, mettent un petit MP en disant ouais, oui pour le musée. Voilà, je vais essayer de faire ça ben, dans les horaires de boulot parce que je sais, tu vas me dire ouais, mais non, attends, okay, voilà. Okay. Salut Evangeline. Nashida qui dit hello tout le monde, bonne journée, passage éclair, faire trop de boulot avant le week-end. Hé, hey, Nashida, ne me fais pas ce que les autres font, hein, c'est-à-dire que dès que tu obtient une promo, ça y est, c'est fini, tu deviens une super travailleuse. J'en connais plein comme ça, ils ont pris un grade, c'est fini, ils ne rigolent plus. Rigolez, continue de rigoler. C'est pas grave, tu feras tes preuves. Un autre jour. Salut. Vas-y, basse. Bosse bien. Alors, Évangeline, bonjour, dernier jour en France, dernier jour à Disney, profite bien. De Disney, je pense à toi. Merci pour la petite vidéo de la parade hier, c'était top. Parce que moi, la dernière fois, je n'avais pas pu rester jusqu'à la parade. En fait, j'avais fait une connerie, j'avais pris que Walt Disney en truc. Enfin bon, c'est pas grave, j'y retournerai à Disney. Donc, il y a Leïla qui est là. Leïla, je suis en train de dealer pour notre petite matinale avec Wardia à Parnasse. Donc, je vais suivre l'affaire encore aujourd'hui. Bubu, ouais, bon, Bubu, ça me fait penser entrecôte. Donc, demain, voilà. Mimi Adam, c'est son anniversaire aujourd'hui. Si quelqu'un la rencontre, il lui fait une bise. Il lui dit rien, il lui fait une bise. Voilà. Elle se doutera qu'il y a quelque chose. Mais enfin, c'est aussi ça. Elle se dira, tiens, si cette personne que je rencontre me fait une bise, c'est à mon avis qu'il ou qu'elle doit être agrume. C'est l'occasion. Eh oui, c'est ça. Non, 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 mais n'oublie pas un truc, hein. Salut Amar, comment tu vas? C'est du lien. C'est du lien entre nous, quoi. On s'amuse, on rigole. Alors, je vois qu'il y a une autre photo qui est arrivée. Ah, il y a Martine qui est là. Salut Martine, comment tu vas? Je vais appuyer où pour la photo? C'est là. Ouais, parce que je suis en train, bah, t'es à côté, donc oui, le CE propose des prix avantageux. Ah bah oui, c'est sûr que par rapport à toi, je suis à côté. Mais je vais te dire encore mieux. Évangeline, tu sais que moi, j'ai bossé sur le chantier de Disney. Ah ouais, t'étais pas né. Au moment où Disney a ouvert, on a eu pendant 6 mois, même peut-être un peu plus, on testait les hôtels, on testait les attractions et tout au début. Et après, je crois qu'on a eu des prix défiant toute concurrence pour être les premiers clients. Moi, j'avais deux gamins qui étaient un peu petits à l'époque. Putain, ça remonte, hein. Mon gamin, il a 36 ans. Et le deuxième, il a 34. Et bien, celui de 34, il ne passait pas à la taille de certaines attractions. Donc, j'y allais, mais on était à côté, on était à Meaux. T'imagines, Meaux, c'est quoi? C'est 20 minutes de Disney, quoi. En plus, t'es pas dans les embouteillages. Eh ben, on y a été un peu au début, ouais, et puis après, basta, terminé. Et ce n'est que lorsque tu es loin que tu dis, oh là là, mais si j'avais su, si j'avais su, j'aurais venu. Ben voilà, ça c'est la photo c'est le MP de Bubu. Merci Bubu. Bubu est psychédélique. Bientôt il va nous sortir les pattes d'eph. Ah ouais. Ben merci Pegasus. Ouverture de Disney, comme tu as dit. Mais bien, toi, tu es vraiment un puits de science, hein. Le 7 avril 92, et j'ai quitté le CCL de Vers-sur-Marne, dont dépendait Disney, en juillet 95. Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, voilà, je suis arrivé. En fait, j'étais arrivé à Paris à l'époque. J'avais passé le concours de conducteur de travaux. Ah ben oui, ça, ce sont des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Uniquement pour Disney, on est arrivé là. Tout un paquet, d'ailleurs. Tout un paquet. Et l'autre jour, j'ai fait une matinale avec un ami de Melun, qui était avec moi à l'époque. Sinon, bah, de l'époque, il y en a beaucoup qui sont partis à la retraite, hein, déjà. Ouais. Donc, si tu as travaillé à Disney à l'époque, n'hésite pas. Si, j'ai retrouvé la fille d'un collègue qui travaille là-bas. Attends, je bois le café avant. J'ai retrouvé la fille d'un collègue qui travaillait avec nous au CCL de Vers-sur-Marne. Elle est à La Réunion.
Et j'ai retrouvé son papa est à la retraite depuis un moment déjà. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. La vache, la chance. Eh oui. Comme tu dis, c'était la chance, mais on ne savait pas calculer notre chance. C'est pareil que la Tour Eiffel. En fait, je suis monté sur la Tour Eiffel la première fois. C'est quand je venais, j'étais à Nice. En fait, quand j'étais à Paris, je passais devant et je m'en foutais. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, alors, j'ai plus grand-chose à dire. Je sais plus trop. On a parlé de ça, on a parlé de ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le groupe. Allez, hop, on va faire un petit tour. Vite fait, bien fait sur le gaz. Il faut faire Facebook. Il faut faire. Tu sais que tu bosses chez Orange quand? Voilà. Et tu mets iPad. Voilà. Et là, tu vois, avec ça, je peux faire ça. Faire ça pour te parler et te dire écoute, suis avec moi ce qu'il y a sur le fil d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le fil d'actualité? 11 288 membres. Dis donc, Pascal, tout à l'heure tu as dit 287. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit décalage de 1? Je sais pas, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, enfin, ouais, tu dois te souvenir, on a eu un super décalage pendant un moment. Ça a duré quelques temps quand même. Entre les iOS et les Android, on avait quasiment 10 personnes de différence, ben, genre 7, tu vois, un truc on savait pas. T'allais sur Android, on avait un chiffre. T'allais sur iOS, on avait un autre chiffre. Franchement, voilà. Enfin bon, bref, on est 11 288. Il y a 5 demandes d'adhésion dessus. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Comme ça, tu vas voir un petit peu le truc. Regarde, par exemple, Stéphane Lafont, il n'a pas encore répondu aux questions. Donc, il n'a pas donné son mail. Donc, je ne peux pas aller plus loin avec lui. Tu vois? C'est pour ça que c'est important. Voilà, tu vois, lui, Christophe de Valicourt. Et Eric Mathieu, ils ont donné leur mail pro. Donc je peux vérifier qu'ils sont de chez Orange, alors que les autres, c'est un petit peu le désordre. Enfin bon, voilà, tu m'as compris. Quand tu parles aux gens de la communauté des agrumes, préviens-les que, bon voilà, il y a une histoire de mail pro et tout. Le ciné-dé, c'est pas aujourd'hui, on a passé. Elisa, qu'est-ce qu'elle nous dit, Elisa? Elisa, ce qui nous donne toujours des super infos. Fibre en entreprise, autorité de la concurrence, rejette toute scission d'Orange. Eh ben, bonne nouvelle, tiens. Moi, ça m'aurait embêté de plus travailler avec les gens des lignes. Et puis, ouais, il faut choisir ton cas. Et puis, quelle scission? Entreprise grand public ou ligne et machin? Non, non, reste comme ça. Orange, we are the best. On reste tous en temps. Tiens, il y a Mary Poppins qui est là. Non, c'est Evangeline qui parle de Mary Poppins. Salut Valérie. Et Laetitia qui est là aussi. Laetitia, je crois que j'étais déjà vu Valérie aussi. Mais sinon, ben voilà, on s'explique. On est dans la matinale. Voilà. Et on est dans le commentaire du fil d'actualité. Ah, j'ai reçu une notification de Messenger, c'est comme si j'avais reçu un truc. Voilà, qu'est-ce que tu dis, Evangeline? Mary Poppins le dit, parfois les adultes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, dans le sens où on ne sait pas profiter de ce que l'on a sur place. Ouh, Evangeline, dis donc, il est temps que tu ailles en Angleterre, là, dis donc. Tu nous fais de la philosophie du matin, hein? Allez, le mot de la loue, j'adore. Bonjour, aujourd'hui commence le mois des crêpes et des amoureux. Ou le contraire. À chacun ses priorités, belle journée et bisous de moi. Alors, crêpes, ok, d'ailleurs, je vais proposer aux filles qu'on en fasse ce week-end. Pour l'histoire des amoureux, là, il y a un petit souci, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Dis-moi si chez toi, c'est la même chose. Mais en ce moment, autour de moi, je n'ai que des couples qui se séparent. Mais reprenez-vous en main! Allons, voyons, hein? On peut se pardonner. On peut tourner la page et avancer. Non, mais c'est vrai, hein? Non, je rigole, mais attends, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi au fait? Donc voilà quoi. Hein? Bon, salut Anira, Natou. Je regarde ici. Bienvenue, hein? On est dans la matinale. Donc le photo, c'est Hello February. Bon, il faut que je change ma bannière aussi, que je mette, j'enlève le bonne année, parce que je te le dis, hein, de toi à moi, le bonne année, j'en peux plus. J'en peux plus. Bon, mon fils, ah, Isabelle, avec le. Oh, Isabelle, elle fait un poste parce que son fils a trouvé un téléphone dans l'avion. Ceci dit, je comprends Isabelle que tu essayes de le rendre, enfin que ton fils essaye de le rendre, parce que, un, on ne peut rien faire avec. Il est en chinois, et encore, je pense pas que c'est du chinois, cette lettre. Et donc, voilà, autant faire un heureux. J'ai vu qu'il y avait une photo qui est arrivée. Ah, j'ai un Wiko. Ah, il vaut au second degré. Ah, bravo. Merci, Elouche. Elouche qui a un menton là-bas. D'accord. Non, mais on pourrait faire la même chose en disant. Je suis Céline, parce que Céline est spécialisée dans le floufi. Alors Elisa, qu'est-ce que tu dis? Mon Wi-Fi de la box, je trouve ça super. On se rend bien compte de la couverture Wi-Fi du domicile. D'accord. Ah, dis donc, il y a ton MacBook. Ah, bah dis donc, elle est comme moi, là. Un EB et un MacBook. Android, Netatmo, ah d'accord. iPhone, d'accord. Décodeur TV. Ah non, c'est bien, hein? J'adore ça, bah oui.
Ah, la photo de la semaine. On approche doucement. Alors, tu vois, c'est un poste. Il va y avoir ce poste-là toutes les semaines. On va essayer de tenir la distance. C'est un poste dans lequel tu dois mettre en commentaire une photo. Pas 36, j'ai vu qu'il y en avait mis 36. Et ensuite, les modérateurs, moi-même, et puis toi, tu peux aller liker les photos. On compte le nombre de likes par photo. La photo qui obtient le plus grand nombre de likes, et puis s'il y a des ex-échos, ben, on voit ça entre nous, les modos, et ben, c'est la photo gagnante de la semaine. Qu'est-ce que tu gagnes? Ben, rien, le droit de revenir. Participer. Non, mais je le vois déjà, lui, là-bas. Ouais, je veux ci, je veux ça. Hein? Déjà, hier, quand on a parlé des t-shirts, tout le monde m'a dit, Christophe, on veut avoir un t-shirt. Moi, je veux XXL. Moi, je veux XL. Oh, tu m'as pris pour le bon coin. Tu m'as pris pour le distributeur automatique de t-shirts. Non, mais quand je vais rencontrer des gens qui ont fabriqué des t-shirts, je vais lui dire, dis-moi, tu peux me donner quelques t-shirts là pour mes amis? Ouais. Non, parce que ça serait des t-shirts des agrumes qu'on aurait les moyens. Moi, j'en vois 11 000, combien? 200 et quelques? Alors, comment tu peux faire? Tu peux écrire, tu sais que tu bosses pour le réseau mobile numéro 1. Hein? Ah. Voilà, donc dans les photos, de superbes photos, hein, je te conseille d'aller faire un petit regard. Je vais aller tout en bas parce qu'en fait, je les avais vues hier. Voilà, Nachida nous a envoyé ça. Nachida, c'est pas la première photo que tu envoies. Pendant l'épisode neigeux chez moi, Harris Orangis. Ah, dis donc, c'est carrément. Ah oui. Ah oui, d'accord, c'était machin. Voilà. Carole Pascual, par exemple, elle en a mis des tonnes et des tonnes de photos. Coucher de soleil sur l'océan. Ah, Pascal Pommier, bien cette pub, cette photo. J'ai cru à un moment. Attends, je remets ça comme ça, excuse-moi. J'ai cru à un moment que c'était la pub, tu sais, du parfum là. Je croyais que c'était ça qu'il avait mis. Mais en fait, non, c'est une photo. Donc, Amar. Ah, oh, bah ça, ouais, bah, tu vois. Ah, j'adore quand c'est comme ça. Amar, il me respecte. Amar, il a le souci de l'ancien. Voilà. Il m'a dessiné avec plus de rides que je n'ai. Les cheveux verts et tout. Mais très bien, très bien. J'espère que tu m'as dit. Non, c'est pas un dessin. Tu as transformé avec une application. Si tu m'as dessiné comme ça, bah dis donc, chapeau, mon ami. Hein. Isabelle qui nous a fait un coucher de soleil à la plage de Malandour. Marie-Julie qui nous a mis le fameux pont. D'ailleurs, je ne sais pas lequel c'est. Si quelqu'un sait lequel pont c'est, qu'il me le dise. Je pensais que c'était celui des États-Unis, mais on dirait quoi. Le fameux pont, tu sais, que le pont qui bouge là pendant les tempêtes. Oh la vache, c'est quelque chose. Là, c'est Sonia qui nous a envoyé une photo de. Ah bah, c'est les Champs-Élysées. Et l'autre, il y a Pierre qui dit ils sont partis en parlant des gilets jaunes. Le gars, il essaye toujours d'enquiller les gilets jaunes dans le truc. C'est-à-dire que je crois que, tu sais, que les gilets jaunes, c'est un sujet qu'on a dégagé des agrumes. Parce que ça fout polémique. Et je ne sais pas si c'est pas Pierre qui s'était fait modérer sur ça. Donc maintenant, à chaque fois, il essaye de la glisser. Ouais, attends, tiens, c'est les gilets jaunes. Il est de quelle couleur ton gilet? Non, mais bah, attends. Calmos. Et Sonia, encore une autre photo. Ah, c'est beau ça. Un port. Ok, donc tout ça, c'était pour te dire que vas-y, va voter, va regarder les photos et puis tu votes. Alexandre Zanier, échange des t-shirts. Bah, j'en étais sûr. La photo de Pascal d'hier. Et je crois qu'on. Ben voilà, encore un. Mon ami Yann, ça c'est une photo qui a été faite avec le Huawei. Tu sais pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore compris comment on fait pour inverser les photos automatiquement. Tu as remarqué que le iPhone, quand tu prends un selfie, il inverse automatiquement pour pas mettre le truc à l'envers. Le Huawei, je cherche encore. Hein. Non, mais si quelqu'un a un truc, il me le dise. Bon, je vois que ce sont les photos qui sont souvent. Ah, tu vois qui c'est là? Valérie nous a mis une photo d'Orange, je reconnais. Tu aurais dû me dire que tu allais chez Orange Bank, Valérie. On aurait parlé. Ah bon, d'accord, j'ai vu des. Et tu sais comment l'esprit est mal placé? J'ai vu les menottes là. Je regarde Georges, je dis qu'est-ce qu'il fait? Georges, il fait dans le sadomaso maintenant? Enfin. C'était ici. Que reste-t-il de notre site? Que reste-t-il de notre site? Que reste-t-il de tous ces jours? Ça, c'est un vieux truc. En fait, c'est quand la R&D a quitté ici les Moulineaux. C'est les souvenirs. Ben, on est un petit peu comme ça hein, chez les agrumes. Voilà, je t'ai fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait. Si tu veux m'appeler, appelle-moi. Le numéro, il est là. T'en bouge pas. Est-ce que je mette le numéro? Ah, ben, j'ai pas mon numéro. Il est sur quoi, mon numéro? Ah, ouais, mon numéro, il doit être sur grand écran. Ok, voilà. Allez, tu as 5 minutes. Enfin, le temps du décalage. Mode miroir. Ah, t'as raison. Je vais regarder ça tout à l'heure. Parce que j'ai cru voir un mode miroir. C'est quoi ça? C'est la photo de. Ah, oh, il m'a mis quoi? Qu'est-ce qu'il m'a mis? La magie en avant-première. Ah ouais, Pegasus! Ah super! Ah merde, comment je peux faire? Parce que tu m'as mis en MP. Ah, tac, tac. Aujourd'hui, se comporte mieux le iPad. Des nouvelles de mon iPad. Aujourd'hui, il se comporte mieux. Tiens, Pegasus nous a mis ça.
C'était une carte postale pour l'ouverture de Disney qu'il a reçue. Ah, puis elles sont. Oh la vache! Elles sont numérotées, t'as vu, il a eu la 27 725. Mais tu sais qu'à l'époque, ça craignait, on se disait qu'il n'y aura jamais personne qui viendra. Parce qu'on trouvait qu'il faisait un froid dans cette vallée. Incroyable. D'ailleurs, il fait toujours froid. Hein. Voilà. Je t'ai laissé mon numéro. Si tu veux m'appeler, qu'on tape la discute un petit peu. C'est le moment ou jamais. Sinon, on va se quitter. Voilà. Arnaud Albéro, salut. Ah, Caroline Tisse. Bah, où est Arnaud Albéro? Ah oui, tu l'as vu rentrer dans le truc. Attends, bouge pas, je reviens dessus. Ici, nickel. Ah oui, ah ben Wardia, ben oui. Donc j'ai expliqué à Leïla tout à l'heure que je suis en train de négocier avec Axel pour venir faire une matinale là-bas. Si tu la rencontres, dis-lui, au fait, Christophe, il attend. Je vais lui mettre un mail pro parce que j'ai mis un MP. Est-ce que j'ai mis un MP? Oui, je crois. Et en fait, je me rends compte que les gens ne lisent pas les MP. Non, non, mais ouais, j'ai compris. Donc je vais mettre un mail pro. Blandine qui est là aussi, comment vas-tu? Mimi Adam, Évangeline, Caroline. Caroline Tisse, bonjour à tous, bonne journée. Tu regarderas, je t'ai envoyé un MP. Qu'est-ce que tu m'as encore envoyé un MP? L'Évangeline. Ah! Oh, dis donc! T'as vu la lampe VLC? Ça, c'est dans l'hôtel, c'est le Santa Fe, ça. Le gars, il connaît trop les hôtels de Disney. En fait, son job, au gars, c'est connaître les horaires de Disney. Merci, Évangeline. Ce qu'il y a de bien avec Evangeline, c'est qu'elle a pris l'habitude d'envoyer des photos. Pas tout le monde, hein, pas tout le monde envoie des photos. Regarde les matinales, en fait, il y a 5 ou 6 personnes qui envoient des photos facilement. Alors que c'est tout bête, c'est tout simple, tu nous envoies une photo. Et ce que je suis content parce que quand tu vas aller à Londres, tu vas nous en envoyer de Londres. Et ça va être le top, on va avoir des photos en direct. Hein. Le top, le top, le top. Je la vois aujourd'hui, je transmets. Super. Voilà. Or, il y a Dom Saint-Prix. Pourquoi quand je vois Dom Saint-Prix, j'ai tout de suite envie de lancer la danse? Dom Saint-Prix, ma belle, qui profite bien de ta retraite. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, rien d'autre. Tout va bien. On va se quitter tranquille. Cécile, hello, passe une bonne journée. Merci beaucoup. Je te donne rendez-vous, bien sûr, demain. On est vendredi aujourd'hui, comme tous les vendredis, tu sais. Voilà. On sait qu'on va remercier beaucoup ceux qui vont bosser ce week-end. Et on sait qu'il y en a nombreux. Sur les 150 000 des agrumes qu'on est dans le monde entier, je sais pas, moi, je vais dire quoi? Il va y avoir 10 000 qui vont bosser? Hein? 20 000 peut-être. Oui, non, non, mais attends. Tu crois que Orange, c'est que les boutiques? Il y a aussi des gens qui réfléchissent derrière, etc. Clairement, on va les remercier. Et puis, on va leur dire, hey, normal, pendant que vous bossez, nous, on attend après vous. OK? Voilà. Pour tous les autres, vous profitez un maximum. Couvrez-vous bien. Je ne sais pas s'il va y avoir un acte X des Gigi, des GJ. Mais sinon, faites gaffe du côté des champs. Tu sais que depuis le temps, j'essaye d'aller voir la boutique Xiaomi et la boutique Apple qui ont ouvert sur les champs. J'y ai pas été parce que les seuls moments où je peux, c'est le samedi. Et le samedi, bah, toi-même, tu sais. Allez, prends soin de toi. Je regarde une dernière fois pour voir s'il y a quelqu'un qui est rentré. Non, amuse-toi bien et puis on se quitte. Alors aujourd'hui, on va se quitter. Non, je mets pas la vidéo de Stéphane Richard. Je mets les bandes. Je mets ça, quoi. Allez, bye bye, bye bye. Sa kondoto